Salut à tous, c'est Ken. Nouvel épisode du Platoon de Mass Effect 1. Et donc aujourd'hui, un épisode très 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 important, croyez-moi. C'est un des épisodes les plus intéressants au niveau du scénario de Mass Effect, puisqu'aujourd'hui on va en apprendre beaucoup sur le jeu et ça va remettre beaucoup de choses en cause, croyez-moi. Donc restez jusqu'au bout, ça va être très intéressant. Enfin, ça m'étonnerait que vous repartiez au milieu, il n'y a pas de pub au milieu de mes vidéos. Et donc dans l'épisode précédent, comme un petit résumé, on a attaqué la base de Saren, où apparemment il travaillait sur la création d'une armée de Krogan. Donc on a réussi à calmer Vrex pour pas qu'il nous pète un câble. Et on a dit que Ashley poserait une bombe dans le centre, quand on aura désactivé les tourelles antiaériennes, et que le capitaine Kira et ses amis galariens et Kaidan seraient devant le centre en train de faire un appât, en fait, d'attirer l'attention des guettes au risque de leur vie, et quitte à se sacrifier pour que nous, on pose la bombe. Et donc on va essayer de poser la bombe le plus rapidement possible en faisant en sorte que Kira ne se fasse pas péter la gueule, et Kaidan aussi, parce que c'est surtout lui que j'aimerais voir survivre dans cette histoire de sacrifice. Et donc voilà. Ah, c'est bon, celui-là il est mort. Sa gueule. Scientifique. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les gardes? Où est sa reine? Ah ah, où est sa reine, justement? Ouh, oh, une armure lourde. Je m'en fous complètement. Non. Je vais tout prendre. Ah, je me suis pas occupé de mon équipement dernièrement. Vrex, qu'as-tu? De quoi as-tu besoin? Smithster 4, rien d'intéressant. Polonium 4, Proton 5. Non, c'est bien, toi t'es comme il faut. Toi, un petit radar 4, c'est parfait. Perforant 2, non 3, on peut trouver mieux. Cryo, c'est marrant des fois. Une petite armure, non. Et moi, une petite armure. L'armure lourde, mais bien sûr, je ne peux pas la porter, qu'elle abrite ici. Et puis un stabilisateur pour tirer plus précis. Non, faut que je sois plus précis au fusil à pompe, sinon ça va être la merde. Et le tungstène. Non, on y va, on continue. Donc, ah, des zombies. Non, reculez. Ce travail est d'importance capitale pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce. Mais non, je ne peux pas vous laisser détruire nos travaux. Alors c'est pas vrai que ce qui parle, hein, c'est lui. C'est un scientifique Krogan. Oui, c'est rare, mais ça existe. Et non, je te tue, hein, je suis désolé, pas de génophage cette fois, hein, je t'interdis de le créer. Rapport sur la flotte Get, décryptage insuffisant. Alors si on les récupère en fait, ces rapports, je suis pas sûr, hein, je crois que sinon c'est à la fin d'une mission secondaire, on peut les filer à Tali, et elle ramène ses informations à son peuple, et du coup elle finit son pèlerinage, et son peuple est content, et voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Par là, y'a rien. Ça, ce n'est pas du lag, c'est du sauvegarde rapide. Mais bizarrement, à chaque fois, je me tais. Les guettes. Alors, j'y vais un peu de manière bourrine. Parce que je suis sur Mass Effect 2 en ce moment. Et je ne peux que me rendre compte que sur Mass Effect 2, les combats sont beaucoup plus bourrins. Ne tirez pas. Je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Ah oui, et beaucoup de monde ici est sous l'endoctrinement du vaisseau de sa reine souveraine, donc qui en fait des espèces d'esclaves. D'accord, qui êtes-vous? Dites-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. De quoi parlez-vous? Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Le salaud. Vous l'avez aidé et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Intéressant. Vous voyez, accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon, je peux partir. Mais vous êtes libre. Je vais sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi? Vous n'allez pas? Si, si. Je vais tout faire passer. Voilà, allez.
J'aime votre façon de voir, Shepard. Ouais, j'allais pas la buter, elle vient de me donner l'accès au bureau de sa reine. Hein. J'avais pas de raison de la dégommer. Belle planète, ma foi. Donc allez, accédons au bureau de sa reine, ma foi. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Pas grand chose pour l'instant. Encore des portes. Un ascenseur. Je suis perplexe devant cette situation. Et là, croyez-moi, les amis, ça va envoyer du lourd. Si vous croyez avoir compris le scénario, et ben c'est le moment de vérifier si vous avez raison ou pas. Mais déjà, une balise protéenne, comme celle du début du jeu. Intéressant. Vous ne croyez pas? Bon là, ils s'en foutent complètement, hein, je sais pas, il y va, s'en fout. Pas tout, c'est pas la première balise sur laquelle ils sont. Et je vous propose de revoir la vision. Mais avec la fin cette fois. Ah non, pas avec la fin. Dommage. Vous l'aviez presque la fin. Vous l'aviez presque. Que s'est-il pas chié? Tiens, un truc s'est allumé au-dessus. Allons voir. Et là, croyez-moi, je trépigne d'impatience de vous montrer ça. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas sa reine. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'IV? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit, un tâton. Du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV. Non, ce serait pas. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Et donc voilà, mes amis, le vaisseau Sovereign parle, réfléchit, et est en train de se foutre doucement de notre gueule. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que sa reine a trouvé, c'est un moissonneur tout court. Et accessoirement, c'est un moissonneur. Moissonneur. Un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet, nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Merde. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est pas un simple spectre renégat qui veut réveiller les moissonneurs à qui on a affaire. C'est un moissonneur. C'est la merde. Quel que soit votre plan, il échouera. J'y veillerai personnellement. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? C'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre, pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Alors je vais ne pas dire que je ne comprends pas, parce que je comprends parfaitement, et j'espère que vous aussi. Donc les Protéens n'étaient pas nos ancêtres, enfin si c'était nos ancêtres, mais avant eux il y avait d'autres ancêtres, et avant ces ancêtres il y avait encore d'autres ancêtres, et en fait, à peu près tous les 50 000 ans, c'est ce qu'essaye de m'expliquer Sovereign, les moissonneurs viennent pour dégommer toute vie organique, et tous les 50 000 ans, toute vie organique redécouvre la citadelle, les relais cosmodésiques, et tous les 50 000 ans, ils se font péter la gueule, et une nouvelle espèce découvre la citadelle et les relais cosmodésiques, puis ils se font péter la gueule. C'est un cycle, ce sont des moissons, c'est le principe de l'agriculture, sauf que là, c'est l'apocalypse. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres?
Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Voilà. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin, puis ils nous détruisent. Voilà, nous sommes un champ de blé qui est récolté tous les 50 000 ans. Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légion. Ouh, c'est les anonymes. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Bon, c'est la merde. D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation, nous subsisterons. Voilà, donc vous pouvez les comparer à Dieu, à ce que vous voulez. Ces machins-là, c'est loin d'être de la merde. De quoi avez-vous besoin ? Et pourquoi ? D'esclaves ? De ressources ? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Sans faille, hein ? Ouais. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. Et donc, je ne peux que vous arrêter, vous êtes mon ennemi, ma vie. Une machine, ça se détruit. Ça se déconnecte, même. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. C'est méchant, la terre. Ouais, donc on entendait les vides péter avant qu'elles pètent, c'est un peu con. Donc ce ne sont pas des machines et les moissonneurs, c'est bien plus que ça. On a un problème. Oui, écoute. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign, il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Ok. Il vient vers vous, et vite. Ouh. Vous feriez mieux de vous tirer de là. Cette console ne fonctionne plus. Une idée, commandant Shepard ? Allons poser la bombe. On se dirige vers le centre d'élevage. Il est temps de tout faire péter. Bien, commandant. On se retrouve là-bas. Terminé. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce n'est pas Saren que nous affrontons, mais Sovereign, son vaisseau, qui est en fait un moissonneur surpuissant, enfin par définition un moissonneur est surpuissant, et ce petit ami a découvert que nous voulions l'arrêter, et que ça fait d'ailleurs un certain bout de temps qu'on se met dans ses pattes, et donc il a décidé de faire demi-tour et de nous défoncer la gueule, donc on va se barrer, ou du moins on va faire tout péter, quitte à faire. Donc voilà mes amis, le poteau rose est découvert. Notre ennemi, c'est bien un moissonneur. Sa reine n'est peut-être qu'un simple pion. Oh, un destroyer gate. C'est bon, je lui ai pété sa gueule. À vrai dire, excusez-moi, je confonds un petit peu les touches avec Mass Effect 2. Les gates se détournent de votre position, Geto. On dirait qu'Ombre a touché un point sensible. Oh oui, ça vous inquiétez pas, le point sensible, on l'a touché. Il fait 4 km de long, il fait la gueule. Allez, on charge. Dégommons ces salopards. Tiens, je vous ai jamais montré ce petit pouvoir. Ah bah, il a pas marché. Agiclé. Un autre. Aïe, aïe, aïe. Bah, il aurait pu au moins dégager ici. Ah, c'est bon, je l'ai bien. La gueule, le programme. Tuez-le! Je ne sais pas comment. Je vais plus voir moi-même. Merde, celui là-bas. Qui peut le dégommer? Déchirure! Et déchirure, ouais, bah là, méga déchirure. Ta gueule! Voilà, il est mort. Cette horrible bête est morte. Bon, dépêchons-nous, parce que je vous rappelle qu'un moissonneur est en train de débouler vers notre position pour nous exploser. C'est pas tous les jours que ça arrive, c'est tous les 50 minutes. Ouvre. Ouvre. Escalier. Oh, la musique se calme, c'est dommage. J'aime bien la musique du jeu. Électronique intermédiaire. Ah, ça, je peux le pirater. C'est pas tous les jours. On va attendre que ça passe. Hop.
peut-être des pistolets intéressants pour l'ami Lyra. Encore tout plein de trucs. Il y a le Raikou est plus précis. Tant pis, on avance. Donc il faut qu'on désactive les tourelles antiaériennes pour que le Normandie dépose la bombe. Et voilà les tourelles antiaériennes. Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. Eh ben ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Wow ! Ça c'est de l'embuscade les mecs. Je viens de prendre un tir de sniper. Ouh ! Purée ! Ça, ça fait mal. Alors là, je ne m'y attendais pas quoi. Mon ami, une belle. Prochaine fois, on va avancer plus doucement. Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie. Ah, il est là-bas, le snipe. Hein. Salopard. Non, c'est lui, le snipe. Le truc qui s'appelle Ghost. Eh ben, je l'ai giclé, le Ghost. Jamais en entendre parler. 3, 4. Hop! Oh là là, le pouvoir de Lyra combiné au mien! On l'a envoyé sur la lune, le mec. Bien sûr, il n'y a pas de lune. On a quoi là? Oh, fuck. Alors, faut que je commence à m'habituer à essayer d'esquiver les roquettes parce que on vient. Forcément, plus on avance dans le jeu, plus les ennemis sont puissants. Commande de la tourelle. Désactivé. Attention, ils nous ont suivis en haut de l'ascenseur. Bon, on va les péter. Ouah, vrai, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as tout fait péter. C'était parfait. Oh, oh. Embuscade ! Salut, ça va ? Bon boulot, équipe Ombre. Maintenant... Je sais pas qui a fait quoi, mais ça a foutu un sacré merdier. Et bon, très bien, d'accord. Bon, alors il faut absolument poser la bombe avant qu'elle nous pète au nez, quand même. Enfin non, il faut déjà poser la bombe et après on évitera qu'elle nous pète au nez. Il faut faire vite, parce que Sovereign, croyez-moi, il est très très grand, on l'avait déjà vu dans le deuxième épisode. Nettoyez-moi tous ces guettes et posez les charges. Avec joie. Alors lui, ouh, c'est quoi ce truc ? Bien, bravo les bêtes. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, le pauvre. Bon bah on a nettoyé. Hein. À moins que la porte s'ouvre et qu'il y ait une embuscade derrière. Charge posée, tout le monde à terre. À terre. Ouh, Kira ne rigole plus. Bien, c'est là où on doit poser la bombe. Ici, ce sera bien. Waouh, beau travail. Un problème de moins. Ouais, commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. Faites, faites. Le plus près sera mieux. Bonjour. Le Normandie est minuscule. Hein. Le Normandie de Mass Effect 2, c'est pas le même. Je vous explique pas pourquoi, et il est gigantesque. Parfait. Allez, amenez-moi cette bombe. Allez, Ashley, du nerf. Du nerf. Du nerf. J'aime bien Shepard qui regarde. Alors ça, en fait, c'est le noyau d'un vaisseau. Hein, ce qui permet à un vaisseau de voler, en quelque sorte. Ou de se propulser. Et simplement, ils l'ont rempli de C4. La bombe est en place, commandant. On est tous prêts. Commandant, vous me recevez ? Je vous reçois, Kedan. La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. D'accord. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Il faut que je sauve Kedan. J'envoie les renforts. Tenez bon, on va vous chercher. Bon d'accord, je suis négatif. C'est trop dangereux. Il n'y a pas d'endroit sûr pour poser le Normandie. On les contient tant qu'on... Ça va aller, commandant. Quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. Bonne idée. On va à la tour. Allez. Donc, bah oui, bah je vais toujours prendre ces deux-là.
et un niveau supérieur. Je prends un truc que je vais convertir un petit peu en omnigel. Hop. Et puis commando. Alors, j'ai pas de points de charme en plus. Ça risque d'être dur parce que vu que je ne fais pas féroce, je risque d'avoir du mal à prendre mes points de charme. De charme. Armure tactique, ouais. Et portée pendant. Ah, j'aurais dû mettre formation de spec. Toi, ben ouais, scientifique à Sari, pourquoi pas. Et toi, aptitude physique. Plus de solidité, mon petit ami. Donc le Normandie s'apprête à nous récupérer une fois qu'on a fini. Donc Ashley est occupé à poser la bombe dans cette espèce de gros toilette, finalement. Et nous, on va chercher Kedan. Parce que c'est la merde. Et des guettes. Des guettes. Sniper guette. Au sol des chefs de guerre Krogan, ça ce n'est pas bon. Un petit missile, un Krogan un peu courageux. J'avance, excusez-moi. Oula, un peu trop courageux celui-là aussi. Il est où? Oh là là, c'est un combat entre. Bon, non, l'autre s'est décomposé. Oh là là, c'est un combat entre Vrex et l'autre s'est décomposé. C'est bien, c'est parfait. Cet épisode va être assez court, je vais arrêter très bientôt. D'ailleurs, je vais arrêter d'ici quelques minutes, je veux juste sauvegarder. Ah, voilà. Par là. Kedan est par là. Qu'est-ce? Non. C'est pas ça pour courir, c'est ça. Et dedans, on a un fusil d'assaut. Je convertis en amitié. Quoique, j'aurais pu le donner à Vrex, ouais, j'étais bête. Allez! Merde! Les c'est pas Sovereign, hein, c'est juste un vaisseau de renfort. On vient de repérer un transport de troupes qui si serait Sovereign, on l'aurait tout de suite. Il est déjà là! Il débarque ses troupes sur le site. Merde! Vous pourrez les contenir? Ils sont trop nombreux! Je crois qu'on n'y arrivera pas! Merde! J'active la bombe! Quoi? Bordel, qu'est-ce que vous foutez, Williams? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. Oh merde. Bon, la bombe est activée, on peut pas l'arrêter. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp d'ici. Négatif, on pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Oh purée. Et voilà, mes amis, on tombe sur un des choix les plus importants de l'histoire de Mass Effect 1. Est-ce que je vais sauver la chère Ashley qui est à côté de la bombe, sachant que la bombe est activée, de toute façon les guettes ne pourront pas l'arrêter. Ou est-ce que je rejoins ce cher Kedan qui est avec les Galariens en train de se faire dérouiller devant la base. Jean Cachelet se fait dérouiller derrière la base. C'est pas cool, j'aime pas ce choix, je n'aime pas. Le jeu m'emmerde. Je déteste ce choix. Je déteste ce choix.